C'était une époque géniale. On était les meilleurs. On était les caïds. Tous les samedis soirs, nous avions l'habitude de nous retrouver au Carambar. C'était un lieu en vogue qui sentait bon le jeu, le fric et l'arnaque. C'était une époque super. À la meilleure table, il y avait toujours les gros bonnets. Mais il y avait surtout Rico le Roquet. Mais nous, on l'appelait le Rouquin. C'était un mec à la cool. Le mec, il me dit, oh, viens ta mère, pédé. À moi, tu vois. Une verveine. Il avait vraiment son humour. Jimmy le sournois, lui, était moins emporté, plus posé. Tu sais que je te fais confiance. Jimmy te respecte. Hein? Mais ce soir, c'est l'anniversaire de Pauline, alors je vais pas voir un verre vide plus de 10 secondes. Hein? Tu vois ce fric? Tu aimes ce fric? Il aime le fric. Tu vois ce fric? Il prend mon fric. Il me pique mon fric. Il avait vraiment son humour. Chaque premier samedi du mois, il y avait toujours le caïd d'une autre bande qui venait semer l'embrouille. Ce soir-là, c'était Tino. Tino Sandalette. Lui était plutôt violent, mais réservé. J'ai réservé. Désolé, monsieur Sandalette. C'est complet. Ah ouais, c'est complet. Même pas mal. Bonne soirée. Mais quand même, aïe aïe aïe. Il était suivi de très près par Tony Podroupette, dit Tony Podroupette. Mais nous, on l'appelait... jamais. Philippe, ce chien. Il avait vraiment pas d'humour. Mais il y avait surtout Pauli le parrain, le taulier du Carambar. Tout le monde le respectait. Il n'avait qu'à lever le doigt pour faire régner l'ordre. Ce soir-là, au Carambar, il était grenouille. Il était tard. Et personne n'avait prévu ce qu'il allait se passer. Pauline, tu laisses rentrer sans arrêt tes pauvres roupettes. Putain, laisse-moi les saigner, leur faire téléguider. Ferme ton clapet. Je veux pas d'histoire au Carambar. Tony, regarde-moi. Mais regarde pas, Tony, regarde pas. Non, je déconne. Tu sais ce que tu vas faire, Tony? Non. Tu vas aller voir Pauline le parrain, ok? Ouais. Et tu lui dis que Tino l'invite à manger des nouilles chez Sandalette, ok? Ok, Tino. Depuis Tino. Maintenant, oui, bien sûr. Faut que t'arrêtes de te piquer à la farine, toi, ça fait des grumeaux, là, putain. Ça va, Tino? Oh, Jimmy, pas encore mort, Jimmy. Après quoi, je t'en prie? Je mets notre colonne maintenant. Mais toi, tu mets rien du tout. Hein. Dis donc. Oui. Tu sais que ce soir, c'est l'anniversaire de Pauli. Oui. Alors, pas de bagarre. Oui. Que du respect. On range les pétards et on se la joue pas macabre et ketchup. Putain, respecte-moi, bordel Jimmy. Ça fait combien de temps qu'on se connaît tous les deux, hein? 3 jours. Ouais, bon, pas bon exemple. Salut Pauli. Il y a Tino qui t'invite à manger tes couilles en salopette. J'ai l'impression que j'ai une connerie, hein. Putain, Pauli! Il vient t'insulter sous ta main, déjà tu le laisses rentrer dans ton bar! Mais putain, mais laisse-moi les saigner! Laisse-moi les crier quand tu... Ok, vas-y. Flingue-moi ces merdes. Ok, on n'est pas à la bourre. Oh, c'est pas sérieux de ce moment. Salut Tino, c'est fait. T'as pas dit de conneries? Non. T'es sûr? Bah, attends, tu me connais. Alors pourquoi ça va être des flammes dans leur poche 32 000 ans alors? Jimmy? Oui, t'entends? Pas un. Est-ce que le Carambar est un garage à vélo? Pas que je le sache. Alors pourquoi je vois deux grosses pédales? Pédales? Moi, écoute-moi bien, toi. Écoute-moi bien, Casimir. La dernière personne qui m'a parlé comme ça, putain. La dernière personne qui m'a parlé comme ça, putain. C'était qui? C'était moi. Bon, pas bon exemple. Non. À moi, tu m'as parlé comme ça. Putain de merde, Pauline, qu'est-ce qu'on fout là? C'est un salon de thé ou quoi? Est-ce qu'on voulait me laisser, c'est un salon de thé? Ah, bah, c'est nous.
chez nous, les mémés. Allez, les mémés. Polly, bordel de merde, Polly. Ça me donne à manquer de respect, c'est ça? Tu veux que je refroidisse? Tu veux que je m'en occupe? Je vais lui foutre la gueule en travaux et en deux secondes, ça tranche une pizza. Écoute-moi bien, Ok. Moi, je suis Tino, la sacale. Ouais. Je suis Cécilia. Moi, pareil. Je fais partie de la famille de... Barba Papa. Non, ça c'est mon goûter. Attends. Et dire que toute cette embrouille avait commencé à cause de Poudroupette. Remarque, Rico avait quand même sa part de responsabilité. Ok. Et puis, ça faisait 3 jours que Jimmy et Tino se bouffaient le nez. Même pas mal. Et moi? Bah, si tu n'avais pas monté ce bar, il n'y aurait jamais eu de carnage. Ah ouais. Gee, it's cozy in the park tonight. When you cuddle up and hold me tight.